Yo les amis, c'est Erno95. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Sunset Overdrive. Putain de... Quelle prouesse, camarade! C'était incroyable! Permets-moi de te remercier pour ta bravoure sur le champ de bataille. Tu possèdes la force de Samson et la sagesse de Salomon. Et le pouvoir d'attraction. Maintenant, allez nourrir ce crevard d'Ignatius et prévenez-moi quand il sera conscient. J'ai du travail pour lui. Vite! Retournons auprès de notre roi! Bon, ça c'est fait. Ok. Là, il faut que je fasse quoi là? Effectuer une mission. Ok. Effectuer une mission. La ligne là, hop, on va faire celle-là. Hey, c'est Wendy. Tu te souviens la soupe d'écorce pour laquelle t'as failli mourir? Apparemment, elle passe plutôt mal. Quelle surprise! Ok, envoie du monde me retrouver au marché. On va lui dégoter un vrai repas. Ok, alors donc, vu que là ça y est, là on a enfin une nouvelle émission. Hop. On y est presque. On est à 50 mètres. 30. Au marché, on est sûr de trouver au moins quelques fruits et légumes. Des pommes de terre, au pire. On en mangeait au 12e siècle des patates, hein? Qu'est-ce que. Où est passée la bouffe? C'est ces crevards de pigeons obèses qui ont tout mangé? Pourquoi? Un pigeon, ça se contente de mégots et de déchets. Ah, où est cette nourriture dont vous parliez? Des pigeons bien gras. De gras pigeons, vous dites? Ça existait au 12e siècle, les pigeons, non? Un royaume pour des pigeons. Allez hop, c'est parti. Bienvenue dans l'arène des pigeons. De nombreux pigeons entrent ici. Peu en sortent. Utilise les graines coqueurs et les pyrogésaires pour retirer les pigeons. T'as un pyro compensateur? Ça marche aussi. Allez, fonce! Thomas, prêt? Ratissez! Attire tout un vol de pigeons dans les flammes pour un énorme combo! Je lance la pâture! Combo méga ultra pigeon! Les rats volants s'approchent! Combo super méga ultra pigeon! Combo giga macro super méga ultra pigeon! 330, ok. Voilà de la pâte. Plus qu'une minute. Combo à la
Adamantium, Platinum, Giga, Macro, Super, Méga, Ultra, Pigeon, Rotissage, terminé. Mais quoi? Vous avez un nom inné pour massacrer des pigeons? Cette folie a assez duré. Retournons à Far Garcia. Hâtons-nous! Brigand, point de vent, nous ne passerons pas. Hé, maintenez-moi ce qui débarque. La viande fraîche. Raboulez les poulets, bande de geeks. Vous osez menacer les victuailles royales? Nous sommes saufs, pour le moment. Il est, on prend la vie. En avant, fidèle monture. Vous êtes pris au piège maintenant, bouffon. Putain, est en danger! Personne ne descend le pont-levis tant qu'ils nous ont pas donné leur viande! Ah, elle est avec moi. Je les ai tous eus! Le chemin est dégagé! En avant! Allez, on dégage la voie. Ne nous abandonnez pas! Ah, il avait bugué. Allez. Les bêtes attaquent, chevalier. Ah oui, vraiment? Notre expédition est en péril. Battons-nous pour sauver le festin du roi. En avant, chevalier! Malédiction! Impose! Nous devons protéger le festin du roi! Allez, 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 allez! Là, là, on l'a bientôt buté. C'est bon. Hourra! Vous n'êtes pas de taille face à Far Garcia. Nous voilà repartis. Hâtons-nous vers Far Garcia. Filez comme le vent. Ok, vous êtes là. Ok, vous êtes là. Allez, on se dépêche d'aller de retourner au château. Garcia nous attend. Diantre, une embuscade. Le mal nous barre la route, chevalier. Ils arrivent. Et laissez pas passer, j'ai faim, bordel. Ces marrons ne sont pas invités au festin. Nous devons protéger les volailles à tout prix. Hé, hey, sac à merde. Ça, c'est non pigeon rôti. Dégagez. Sur les toits. Détruisez ces engins du diable. Ok. Il ah, y a du monde là sur le toit. Il y a du people là sur le toit là.
victoire. Ah voilà. Nous avons rossé nos ennemis. Ouais. Je sais pas ce que rossé veut dire, mais votre... Revenez, noble chevalier. Vous avez raison, chevalier. Pour le roi. Ben voilà. Roi Ignatius, mangeaillez pour recouvrer vos forces. S'il se met à dégueuler ses rats volants, je me tire. Notre roi dort paisiblement. Merci, chevalier. Nous te sommes à jamais redevables. Peut-être souhaiterais-tu partager le festin du roi ? Non, merci. Je préférerais encore manger de l'écorce. Bien envoyé. Ultra Mega Frag. Yeah. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler à Catherine. Notre roi souffre du feu de Satan. Tu veux dire qu'il a la fièvre ? Nous ne savons pas comment chasser ces démons. Peut-être connais-tu un médecin de la citadelle ? Désolé, mais je connais pas de médecin dans la cité, là. Mais en revanche, je sais où trouver des médocs. Bouge pas. Ok, bon bah c'est parti. Oh, quand je reviendrai avec tes médocs, je te dirai pourquoi j'ai mal pris le fait. Tu pensais on va que parler je à Bob Dealer. Munitions max. Ah, ça fait... Je crois bien que j'ai vu des produits pharmaceutiques là-bas sur les médocs. Nul d'armes. Non. La chandelle romaine, non. Non, ça... Non, j'ai rien qui me branche. Le massacre, les enfants. Allez, on va se rendre au chantier naval. Allez, c'est parti. On est à 33 mètres. Cargaison de médicaments. Parfait. Il y a forcément des médocs ou des machins pour Ignatius dans le coin. Ok, là il y a un camion, on va voir ça. Tentative d'accès non autorisée. Verrouillage des camions fiscaux. Équipe de sécurité fiscaux en route. Oh. Quoi ? Oh merde. Ça c'est bien d'accord avec toi. Oh merde. Bombotte Cisco. Yeah.
Ok, là il y a... Et ils en sortent de partout les du renfort là. Oh, chiant tes robots là. Encore et il me met trop bien comme ça là. C'est bon. Sécurité neutralisée. Camion ouvert. C'est mérité. Joli combat, au fait. Merci. Hey, merci, monsieur Camion. Allez, on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Plan A, la pilule de la veille du lendemain. Non, ça va pas arranger sa fièvre, ça. Non, pas non. Prochain camion. Rital enfant, de la ritaline pour bébé. Non, il a passé l'âge. Non. Ah, des munitions. Ça on prend. Vizotucine, enfin un truc contre la fièvre. Là maintenant, mon ami. Salut, c'est Wendy. Alors, il paraît que tu cherches des médicaments pour Ignatius? Ouais, en fait, je viens d'en trouver. Je suis en train de revenir là. Faut que tu fasses un arrêt sur la route. Je te retrouve au parc. Ah, c'est un code pour dire je veux des cachetons. Bon bah, on va aller au parc. Retrouver Wendy au parc de l'étang à Sansu. Alors, elle est où, Wendy? Étant au sensu. Encore plus dégueu. Enlève tes vêtements. Pardon? Je veux bien faire ce que tu veux, mais il faut que tu me dises pourquoi d'abord. Ignatius ne peut se faire traiter qu'avec des remèdes du 12e siècle. En l'occurrence, une saignée. Je crois que je vois où tu veux en venir. Tu dois retirer tes fringues et marcher dans les temps pour récupérer des sangsues. Fais chier! Super. Alors c'est ça ta définition d'un pique-nique au parc? Bon. Alors, on va se changer. Je me sens ridicule. Alors là, je crois qu'on va se bidonner. Ok, je sers. Faut que je la trouve, moi.
ton esprit, animal. Il faut que je... Ah, ah, putain. Ah, c'est quoi ça? C'est... Ah, ta merde. Ok, je reste calme. Respire, respire, respire. Putain d'idée à la con. Ah, sa mère d'Ignatius. Et sa mère. Ah. Oh, sa mère, elle a rien fait, sa mère. Allez, il me faut encore descendre dessus. Ok, je viens de comprendre. Et c'est un autre étang. T'as déjà dû pomper toutes les sangsues de celui-là. On dirait que ça fait mal. À certains endroits bien précis. Une dernière chose, tu dois boire toute la bouteille de Fizotucine. Toute la bouteille? Pourquoi? Il faut qu'on sature les sangsues de ce médicament. Comme ça, quand on les posera sur Ignatius, le produit se diffusera dans son sang. Pas sûr que les sangsues fonctionnent comme ça. Oh, donc tu es spécialiste en sangsues. Eh, c'est pas toi qui es à poil, alors laisse-moi au moins dire ce que je pense avant de me faire vampiriser par des limaces. Il faut qu'on te ramène auprès d'Ignatius avant que tu perdes trop de sang. Hé, hey, attends! T'as pas l'air bien du tout. Est-ce que ça va? Non, je me sens vraiment pas l'air bien. Trop génial. Oula. Coco, t'as perdu ton chemin? Où est Wendy? On joue à chat. Allez, c'est toi le chat. Quoi, cette merde? Je suis pas dans le bon burrito, trop pomme. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est tout pourri. Comment je vais arranger ça? Oh, je sais! De la lave! Viens me chercher! C'est tout dans ma tête, bien erré. Oh putain, j'ai des sangsues partout en cours! Oh putain, personne vient m'aider! Mais pourquoi? Je sens plus mes lèvres. Qui a eu mes lèvres? Michon, j'ai invité quelques copains. J'espère que ça t'embête pas. Bah. Des squelettes? La pizza tucine a des putains d'effets secondaires. Bon, sur ce, les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire aussi, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, bye tout le monde.